Accueillir les Canadiens qui sont venus. We would like to welcome all the Canadians. From Toronto. From Toronto. Toronto et Québec. Toronto and Quebec. On était à Québec il y a quelques... C'était cette année, hein? We were in Quebec this year. Il y a beaucoup de Québécois là-bas qui sont touchés. Many people in Quebec have been touched by the word of God. Ça va? Oui, ça va. Comment bien. Ça se passe? How are you doing? Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Ah ouais? Oui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et les frères de... Est-ce que tout le monde l'entend? Les frères du Québec, Ottawa, Toronto vous disent bonjour. The brothers and sisters of Quebec, Toronto, Ottawa are all sending their greetings over to you. Tout à l'heure, lors de la louange, je n'arrêtais pas de m'imaginer quelle est la joie qu'il pouvait avoir dans le ciel, en fait. Et as we were praising earlier, chose, I couldn't stop quand by on regarde, thinking en fait, the joy à la télé, that was in c'est heaven. Une chose. Mais quand on est présent, c'est une grâce. It's one thing to watch it on TV. It's one thing to watch this on TV, but it's yet another one to be present with the brothers and sisters. Et notre prière à tous and our prayer est que is, la flamme que le Seigneur a allumée au Québec, qu'elle s'embrase, que même la neige canadienne ne pourra pas l'éteindre. We pray. Our prayer is that the Lord will set ablaze Quebec, that even the snow will not resist against that flame. Nous avons des frères, un pasteur avec sa femme, leur fille qui sont venus de Toronto. We have a pastor together with his wife and their daughter who came from Toronto. C'est un frère que j'aime beaucoup, que j'encourage énormément. On s'encourage énormément, donc. This pastor is a Sammy, brother whom I Amen. Love, and we encourage each other. Comment un pasteur comme toi How does a pastor such as yourself et pu se retrouver ici? Parce que nous aimons Jésus-Christ. He's able to find himself in the midst of all this. It's because we love Jesus. En fait, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas le ministère qui peut sauver quelqu'un. Il faut avoir foi en Jésus-Christ. I realize that ministry doesn't save, but it's faith in Jesus alone that saves. Parce que malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, unfortunately, many men of God, qui avaient un réel appel, who had a genuine calling, mais ils se sont égarés loin, were set astray, à cause de la gloire de ce monde. Because of the glory that this world can bring. Parce que des fois, quand tu arrives à un endroit, on porte la Bible pour toi. And when you have people carrying your Bible for you, you feel like you have arrived. Tu peux te permettre de faire n'importe quoi. And you feel like you can do no wrong. You can do anything you want. Et la séduction ne vient pas directement, elle vient petit à petit. And seduction comes little by little. It doesn't come all at quand once. Quand tu commences à accepter toutes ces gloires, and as you give into it, c'est alors que le diable en profite. That's when the devil takes il over. Va encore ajouter d'autres gloires. And he'll bring more glory to you. Et là, on dit qu'on est élevé. And there you think like you have arrived. Oh, nos bien-aimés dans la foi, Paul. Our brother in the faith, Paul, the apostle Paul. Quand on a voulu les élever, when people were getting ready to exalt him, ils ont déchiré leurs vêtements. He and another apostle tore up their garments. Alors, il faut vraiment aimer Jésus-Christ. Hein? And we truly have to love God. Pour se retrouver dans ce message. To find ourselves in this message. Là, je n'ai pas touché côté finance, dîme,
les honneurs avec les politiques, tout ça. And I haven't even started talking about finances, offerings, tithing, and all that stuff. Donc, bref, c'est la vie éternelle qui est importante. In a nutshell, eternal life is the most important part. Et la Bible dit que servirait-il à un homme de vaincre le monde? The Bible says, what good shall it do to a man to overcome the world? Et s'il perdait son âme? If he shall lose his soul. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu. Que Dieu soit bien. En tout cas, bon courage. Merci, Seigneur. Brother.